Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mwikasa, fondateur de Mwikasa. Merci de faire partie de notre communauté de réflexion, synagogue des penseurs, des lutteurs, des bosseurs. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Ici, c'est une communauté. On se reconnaît, on se respecte, on s'améliore. Nous avons besoin des leaders. Ici, se réunissent les leaders de l'Afrique présente et future. On n'a pas besoin de followers. Non, merci. Donc, si vous êtes de ceux qui consomment des vidéos pour se sentir bien, je pense que vous êtes au mauvais endroit. Si vous regardez ici, il y a toute une liste de vidéos. Cliquez l'une de vidéos, comme ça, vous allez faire le follower là-bas. C'est une communauté, ce n'est pas une église. Les émotions ici, c'est une communauté de réflexion où on se remet en question, nous tous, moi y compris. Alors, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, ça se voit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Vous savez, pour que l'Afrique progresse, il faudrait comprendre le problème des Africains dans toutes ses particularités. Pas seulement les vôtres. Il faudrait vous impliquer dans le problème africain dans chaque coin de l'Afrique. Pas seulement les problèmes de votre pays. Parce que croyez-moi, il y a des gens qui sont dans un pays différent, dans votre pays voisin, qui sont plus vos cousins que des gens qui partagent votre territoire national. Ah oui, hein. Je vous rappelle que votre territoire national a été érigé certainement après 1885 ou 84, le partage de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de la République démocratique du Congo. Vous savez, chez les Kofi Olomide, Fally Ipupa, Wenge Muzika, vous connaissez certainement. La République démocratique du Congo, contrairement à ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui, n'a pas été colonisée par les Français. Oui, on parle français là-bas, mais le pays a été plutôt colonisé par des Belges flamands. Contrairement du Congo-Brazzaville, qui a évidemment été colonisé par les Français. Le roi des Belges a présenté ses excuses au président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour les atrocités perpétrées par ses aïeux. C'est-à-dire, je vais expliquer pour ceux qui ne savent pas, il faudrait rentrer dans l'histoire. Avant la colonisation, l'Afrique existait déjà, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc, à la même époque, Léopold II, le roi des Belges, venait à peine de succéder au trône de son père, en 1865. C'était peu après la libération de la Belgique ou la séparation de la Belgique de la Hollande. Okay, la Belgique était à peine un nouveau royaume authentique, une nouvelle monarchie. Et Léopold II venait à peine à la succession de son père, Léopold I. Donc, à cette époque, ils n'avaient rien. La Belgique n'avait rien. Ils étaient pauvres. Alors, Léopold II, pour vouloir créer de l'argent, de la richesse, proposa à ses congénères une idée de coloniser le Congo. Une idée qui fut rejetée immédiatement avec toutes les atrocités qui s'étaient passées avec l'esclavage. Déçu, il fallait trouver un autre moyen pour aboutir à sa mission objective. Il fallait trouver un moyen de partir s'installer au Congo, parce qu'il savait qu'il pouvait y tirer beaucoup d'argent. Alors, il proposa une idée complètement différente. Donc, le roi Léopold II, animé d'une ruse obscure et d'une cupidité frénétique, devrait trouver un moyen alternatif pour aboutir à ses fins. Son objectif était de partir au Congo et de piller, de vider le pays de son ivoire, de ses particularités, pour s'enrichir personnellement. Alors, il proposa une idée complètement différente à l'idée initiale qu'il avait proposée. Il s'agissait de créer une association, une ONG, qu'il appela Association Internationale du Congo. L'objectif de cette ONG était de partir en Afrique de l'Est et abolir l'esclavage qui résistait encore dans des pochettes. Comme il le disait, je vais aller en Afrique de l'Est, abolir l'esclavage, ce qui se passe encore jusque-là, par des Arabes. Je vais promouvoir la liberté d'être, la liberté des humains, la liberté d'expression, la liberté de vivre et des commerces, dans toute sa gentillesse possible. Créer une ONG pour aider les Noirs. Mais en réalité, c'était autre chose. Vous voyez pourquoi j'aime l'histoire? Parce qu'en observant l'histoire, on comprend qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre. N'est-ce pas ce qui s'est passé en Haïti récemment? Avec un couple proéminent, connu, qui aurait fait des appels de fonds, beaucoup d'argent a été réuni pour construire des maisons, mais malheureusement, qui en a profité? Triste. L'histoire nous apprend à démasquer les personnes, même les plus rusées. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Continuons notre histoire. Donc, le méchant roi de Belge, Léopold II, a passé sa motion de création d'une organisation ONG pour intérêt de l'Afrique. Et il a envoyé quelqu'un, Henry Morton Stanley, pour le représenter sur place. L'objectif était d'aller faire signer les chefs locaux, hein, les chefs sur place, un bout de papier, une signature d'accord. D'accord, moyennant quelques habits, quelques histoires, quelques étoffes. Les chefs ne pouvaient pas lire ce qui était sur le papier. Il suffisait de mettre juste de l'encre et puis voilà, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient signé. En réalité, le papier était autre chose.
chose. C'est une question de posséder tout le territoire local. Et après quelques temps, Stanley a pu faire signer 500 chefs ce bout de papier, ce bout de contrat d'acceptance de la présence de Léopold II. Et en ce moment-là, à travers cette signature, cette petite signature, la République démocratique du Congo, qui est plus grande que la Belgique, était entre les mains d'une seule personne, Léopold II. En ce moment-là, après la création des voitures et des véhicules, il y avait un fort besoin des caoutchoucs. Il y avait une forte demande des pneus. Et pour fabriquer les pneus, évidemment, il fallait le caoutchouc. Et Léopold II avait entre les mains un pays, en effet, une machine à production de caoutchouc. Il ne pouvait donc pas, dans sa ruse, laisser passer cette opportunité. Léopold II a trouvé un territoire où régnait la paix, la sérénité, l'amour, la joie. Les gens vivaient très bien dans leur tradition, dans leur culture. C'était l'Afrique. Il y avait l'amour, l'ubuntu, la générosité. Il n'y avait aucun problème. À son arrivée, à travers ses sbires, il a créé sa milice privée au Congo à l'époque. Et cette milice avait pour objectif d'assujettir le peuple sur place. Léopold II, en besoin de richesses, avait obligé la population locale à aller travailler le caoutchouc. Il y avait un quota minimum de caoutchouc qu'il fallait rapporter à la maison chaque jour, ou rapporter chez les autorités chaque jour. Chaque homme dans chaque maison était obligé d'aller travailler dans les champs pour apporter du caoutchouc pour un certain Léopold II qui n'avait encore jamais foutu ses pieds en Afrique. Et pour chaque homme qui n'atteignait pas son quota journalier de caoutchouc, au début, on lui prenait sa femme en punition. Mais après, tout a changé. Pour chaque homme qui prenait le caoutchouc, parce qu'il fallait une certaine sévérité, on a commencé à couper leurs mains à la machette. Donc, tu n'atteins pas ton quota journalier de caoutchouc. On coupe ta main brutalement à la machette pour servir d'exemple au reste de la population. Pour l'intérêt de Léopold II, le roi de Belge, et sa création de pneus, des caoutchoucs, des voitures, et de tout le bazar. C'est ça le capitalisme. Vous savez, on doit le reconnaître. Les guerres, les brutalités, les atrocités qui ont été perpétrées généralement par l'Europe vers l'Inde, c'était à cause du capitalisme. Les Indiens sont morts en masse. Demandez aux Indiens ce qu'ils pensent des Anglais, ils vous diront, c'est le capitalisme. Le besoin essentiel de venir en Afrique pour piller, tuer, massacrer, tuer les éléphants pour l'ivoire, couper les mains des gens au nom du capitalisme. Le besoin essentiel d'avoir beaucoup plus que tout le monde. Et curieusement, personne ne parle de cette histoire. Tout le monde parle du monsieur de l'Allemagne qui a tué des gens. Mais on ne parle pas de cela. Et tout le monde parle de Idi Amin. Tout le monde parle de Bokassa. Tout le monde parle de... Mais ceux-là, on ne parle pas. On ne parle pas de ces personnes-là. On ne parle pas de ces gens qui ont tué 10 millions de personnes en Afrique. 10 millions d'humains, de vie, perdus pour assouvir ses désirs personnels. Son besoin essentiel de gagner de l'argent. Congolais, la Belgique, c'est chez vous. Oui, oui, tout ce qu'il y a là-bas, ça vous appartient. Il faut manger ça. Donc, si tu n'atteins pas ton quota journalier de caoutchouc, on te coupe la main. Les hommes dans cette milice avaient aussi des fusils. Maintenant, pour chaque fusil, on donnait un nombre bien détaillé des balles. Pour chaque balle, il fallait présenter une main. C'est-à-dire, il arrivait des fois où les gens passaient dans les forêts, donc les membres de cette milice passaient dans les forêts et trouvaient des facochères, ils tiraient sur des facochères pour avoir la viande et tout ça. Il fallait justifier le nombre de balles. À chaque fin de journée, il fallait justifier le nombre de balles qu'on a auprès de son supérieur. Donc s'il y a une balle qui manque, il faut présenter une main pour la balle manquante. Et les gens, comme vous l'avez bien imaginé, se sentaient obligés d'aller couper les mains pour justifier la balle qui a manqué. Une balle qui a tiré par hasard, une balle qui a tiré sur un facochère, un antilope. Était justifié par tchouk, la main de quelqu'un. Incroyable, inimaginable. Là, on dit que voilà, Idi Amin a fait ça, machin a fait ça, Mobutu a fait ça. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont pas fait ça, mais la façon où on nous dit ça, comme si là-bas il n'y avait rien. 10 millions de personnes d'humains qui vivaient en paix, en sérénité, chez eux, à la maison, sans difficulté, étaient obligés soudainement de payer un taxe à travers leur vie ou leur femme, voir leur membre coupé brutalement, sans honte. Les représentants. Il y a un représentant particulier du roi de Belge mettait sur son jardin des crânes des hommes. C'est sa façon d'embellir le jardin. Incroyable. Donc, tu vas aller travailler le champ, produire du caoutchouc ou on t'étue. Si tu refuses, on t'étue. Tu vas travailler les champs et apporter un quota bien précis. Si tu n'atteins pas le quota, on coupe ta main et on prend ta femme en même temps. Et vous savez, on ne peut pas faire semblant. Il faut connaître l'histoire. Les missionnaires venaient, il n'y avait aucun problème. Personne n'a dit quoi que ce soit. Qu'un missionnaire ne s'est plaint de tout ça, ça je vous le rappelle. Et à cette époque, il y avait beaucoup de Belges qui venaient, beaucoup de missionnaires blancs qui arrivaient et ne disaient rien du tout. Ce n'est qu'en 1900, à l'arrivée de George Washington William, un noir américain missionnaire baptiste,
que tout a changé. Il était choqué par ce qu'il a vu, choqué par la peine, la douleur, choqué par les atrocités perpétrées par ses agents, choqué par la situation locale, par le sang qui coulait, les mains coupées, choqué par les vies perdues, choqué par les 10 millions de personnes, qu'il écrit une lettre ouverte au roi de Belge, pointant tout ce qui se passait au Congo. Donc, l'ONG créée par le roi, Association Internationale du Congo, n'était pas une ONG pour aider les gens. C'était une ONG pour piller le pays, tuer les gens, massacrer les humains, séparer les familles pour un gain personnel. Ça ne sera qu'en 1908 que la Belgique prendra le Congo d'entre les mains du roi des Belges. Et ce sera le début de la colonisation telle qu'on connaît aujourd'hui. Le roi de Belge s'est excusé auprès du président congolais pour les atrocités perpétrées par ses aïeux. Prenons en considération qu'il a fallu beaucoup d'années de pression, beaucoup d'années d'attente pour que la Belgique ne reconnaisse ne fût-ce que les atrocités qu'ils ont. Et c'est maintenant que le roi des Belges dit, pour avancer dans le bon, on va s'excuser pour le mal qu'on a fait. Moi, je dis non. Restons d'abord comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On joue à quoi, là? Pourtant, les Juifs ont vécu des histoires aussi dans leur histoire. On ne s'est pas seulement excusé. L'Allemagne a payé. Ah oui, on a payé en argent, il en a payé financièrement à chaque personne qui a été affectée. Bon, comme ce sont des petits noirs, on va seulement s'excuser et puis voilà, on va continuer à faire le diamant, l'uranium et tout ça. Pas jouer avec les gens comme ça. Et tout ceci a été influencé par le mouvement de George Floyd récent. Excusez, nous sommes désolés, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Juifs, dans leur cas, on ne s'est pas seulement excusés, mais ils ont été subventionnés. On a fait ce qu'il y avait à faire financièrement chez chaque personne qui était directement affectée. Pas seulement la personne directement affectée, mais on a aussi payé tout ce qui a été détruit, leur propriété détruite, tout ce qui a été pillé a été payé. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Je suis désolé, on n'acceptera pas ça. Et peu importe que ce soit au Congo, au Kenya, au Cameroun, au Libéria, peu importe le pays. Moi, je n'ai d'ailleurs pas d'appartenance directe. Peu importe où que ce soit, je suis africain. Peu importe où ça se trouve, je combattrai vaillamment et farouchement pour les intérêts de nos peuples. C'est la seule façon de vaincre. Je vous ai toujours dit qu'avant de combattre quelqu'un, il faut le connaître. Il faut connaître son histoire, il faut savoir où il est passé. Il faut connaître ses qualités, ses capacités, sa force, pour ne pas être surpris. Il y a un mythe belge qui dit, j'aime beaucoup la mythologie des autres là. Il y a un mythe belge qui dit qu'il y a très longtemps existé un géant qu'on appelait Druon Antigon. Il était très fort, irrésistible, colosse. Personne ne pouvait le résister. Il avait en ce temps terrorisé la population locale. Par sa cupidité, il demandait un taxe de chaque travailleur vivant autour de la rivière Shed. Donc chaque travailleur autour de cet endroit devrait lui remettre un taxe de son travail effectué. Et tout celui incapable de payer le taxe voyait sa main brutalement coupée et jetée à la rivière. Et ceci se fit pendant plusieurs années. La nouvelle s'est répandue sur l'entièreté du territoire. Et tout le monde avait peur, frappé de frayeur. Le géant Druon Antigon était là et il voulait vos biens. Qu'allez-vous faire? Le géant Druon Antigon coupait les mains de ses victimes et les balançait dans la rivière. Un jour, un jeune soldat brave, courageux, au nom de Sylvius Brabo, se leva et confronta le géant. Dans un combat farouche, il le battut. Il coupa brutalement ses mains et les balança dans la rivière. Vous connaissez la ville belge Anvers ou Anvers. En hollandais, ça s'appelle Antwerpen. Et beaucoup suggèrent que le nom Antwerpen provient des mots hollandais Handwerpen, qui veut dire « jeter les mains ». Ça sonne quelque chose, quelque part. Et aujourd'hui, à Anvers, Antwerpen, on produit massivement des chocolats controversés en représentation avec des mains noires, Antwerpen, un travail bien fait par le roi des Belges. Ce n'est à peine récemment qu'on a enlevé la statue du roi des Belges, très discrètement, sans trouble. Le roi Léopold II, le boucher africain. C'est un boucher. Donc voilà, le roi des Belges, aujourd'hui, Philippe, s'est excusé, Philippe je crois, il s'est excusé auprès de la population via le président de la République pour ce qu'ils ont fait. Mais les excuses que je trouve plutôt dégradantes, on ne s'excuse pas comme ça. On s'excuse différemment. Et ce n'est pas à nous de vous apprendre comment on le fait. Merci infiniment les amis pour cette session d'intimité, vous savez. Laissez un commentaire, grandissons, participons, communiquons. Faites des amis, on ne sait jamais. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.